Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Ne nous voilons pas la face, le cycle de l'eau est perturbé. L'accentuation des sécheresses et le manque hydrologique demandent de renouveler les pratiques agricoles pour s'insérer de nouveau dans un cycle naturel dépourvu d'intrants et ne sollicitant que les éléments disponibles pour un système résilient et autonome. L'agroforesterie et la permaculture sont aujourd'hui connues et reconnues à échelle locale, mais connaissez-vous l'agriculture syntropique? Tout d'abord, partons de la définition de la syntropie. Selon Wikipédia, ce terme du grec ancien rassemble le terme « avec » et « nourrissant ». Il s'agit d'une relation symbiotique obligatoire entre deux espèces, où l'une se nourrit au profit de l'autre. Selon Jan Dolfing, c'est une interdépendance critique entre producteurs et consommateurs. Nous pouvons ainsi imaginer la difficulté de découvrir cet équilibre parfait qui permet l'autonomie nécessaire à un système. Cette nouvelle approche est apparue il y a 40 ans en Amérique latine. Ernst Gotsch, agriculteur et chercheur suisse, s'installe en 1984 au Brésil, dans l'état aride de Bahia, où il reprend une exploitation de 500 hectares de sol altéré et improductif. Pendant 30 ans, il teste diverses méthodes inspirées du fonctionnement de la nature et des forêts. Suite à des résultats probants, la méthode se répand à travers le Brésil et arrive en France en 2018. Le principe de l'agriculture syntropique est de restaurer le milieu naturel tout en y introduisant des espèces comestibles et commercialisables. Comme la permaculture, la syntropie mise sur la vitesse de croissance des végétaux et leur ordonnancement dans l'espace. Ainsi, au fil des saisons, se succèdent des plantes annuelles, bisannuelles ou encore vivaces selon le processus de succession rencontré dans la nature. L'organisation par strates est essentielle. Bill Mollison, dans son livre « Permaculture », explique concrètement comment créer ces différentes strates dans l'espace par rapport à l'orientation, les vents dominants, les espaces ombragés ou encore la structure du sol. Contrairement à la permaculture où l'action humaine se veut minime, l'agriculture syntropique repose sur l'intervention de l'agriculteur qui vient régulièrement perturber le système. L'élagage intense est l'aspect unique de l'agriculture syntropique. Les espèces de l'étage dominant sont parfois élaguées, ce qui élimine jusqu'à 95% de la biomasse. Les élagages sont ensuite utilisés comme paillis et offrent de nombreux avantages tels que l'élimination des mauvaises herbes, l'alimentation en micro-organismes du sol et la gestion de la température et de l'eau. Effectué à des moments stratégiques, il accélère également la croissance des végétaux. Lorsque les plantes sont taillées pendant leur phase de croissance, elles libèrent des hormones de croissance dans le système, ce qui encourage les plantes voisines à se développer plus rapidement. Le but? Obtenir une récolte dont le sol aura été suffisamment nourri tout au long du cycle pour être toujours riche et propice à recevoir une nouvelle culture. Cette agroforesterie successionnelle, qui permet de produire et régénérer les sols, est en réalité une nouvelle lecture de l'écosystème. La difficulté d'une telle méthode réside tout d'abord dans les connaissances à détenir pour la pratiquer. Il s'agit essentiellement d'une connaissance fine des espèces implantées au niveau biologique, croissance, besoin en lumière, interaction et complémentarité dans les processus. Cette méthode s'inscrit ainsi dans un temps long qui conjugue une observation minutieuse, des savoirs empiriques et des spécificités locales. Dans tous les cas, la démarche permet de réintégrer l'homme dans un milieu complexe et arboré
où tout préjugé doit disparaître pour laisser place à une observation écosystémique. Ainsi, le ravageur devient la proie d'un auxiliaire, la mauvaise herbe, si elle existe, est réintégrée dans le système. Toute perturbation est généralement l'appel d'un rééquilibrage naturel. L'atout de cette agriculture réside dans sa capacité à trouver les moyens de conserver l'eau. L'été, alors que la terre s'assèche continuellement par le martèlement répété du soleil et de la chaleur, maîtriser les strates végétales permet de conserver une humidité au sol qui est non négligeable lorsque la pluie se fait rare. Nos périodes estivales nécessitent ombrage, alimentation et eau, un triptyque naturel qui par ce type d'agriculture est remis en place. En 2019, Felipe Passini, un élève de Ernst Gotsch, a décidé de se lancer au Portugal dans une zone sèche et rocailleuse de la commune de Mertola, en fondant l'association Terra Sintropica, donnant le jour à une ferme-jardin. Aujourd'hui, y poussent des blettes, des choux, des épinards et bien plus. La pratique repose sur une diversité importante de plantes cultivées à haute densité dans leurs conditions optimales de lumière et de fertilité. L'agroforesterie successionnelle mise en place y est un succès. Les plantes ne sont irriguées qu'une seule fois par semaine, 3 ou 4 heures, et deux fois si les températures dépassent les 40 degrés. Cependant, l'année dernière, la forte tension sur l'eau douce leur a demandé de diminuer les plantations de légumes pour régénérer l'eau du puits utilisée. Selon l'association, un autre défi s'impose, proposer des aliments sains, à prix décent, pour une population locale. Nous ne pouvons parler de syntropie sans mentionner son opposé, l'entropie. En thermodynamique, on peut observer la tendance qu'a l'énergie à se disperser sans cesse. C'est l'entropie. Le chaud et le froid ont tendance à s'équilibrer par transfert. La chaleur s'écoule toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, jamais l'inverse. C'est une transformation irréversible. Les molécules ont tendance à se mélanger, l'ordre initial devient ainsi désordre. Il s'agit d'une tendance à l'indifférenciation, la tendance au chaos. C'est une perte d'ordre, une perte de concentration et une transformation d'énergie disponible en énergie non disponible. Vincent Mignereau, essayiste français en collapsologie, prend l'exemple d'un lancer de confettis. Initialement, logés dans le creux de la main et ne faisant qu'un, les confettis, une fois lancés, se dispersent au sol, s'agglomèrent à la poussière et sont en incapacité de retrouver l'état initial et sèment ainsi désordre ou chaos. En sociologie, l'entropie se définit par la tendance des sociétés et des civilisations à se désorganiser et finalement à disparaître. Est-ce une fin en soi? Non, car à chaque fin de cycle, un nouveau débute. Ainsi, la vie est un éternel combat entre syntropie et entropie. L'urgence d'utiliser des systèmes de production syntropiques n'est plus à démontrer. Alors que des villes du sud-est en France réduisent la construction de piscines ou encore la construction de nouvelles maisons pour limiter la population face à des nappes phréatiques insuffisantes en eau. Le chaos créé par l'entropie humaine démontre que la dispersion d'énergie ne peut qu'engendrer la fin d'un cycle. Aussi, concevoir son jardin de manière syntropique devient une priorité pour établir l'ordre dans un écosystème. Pour ceux intéressés par cette méthode, il existe un groupe de 8 personnes formées à l'agronomie, la nature ou encore à l'environnement, qui ont créé un site internet intitulé Agriculture Syntropique France pour cumuler les expériences et créer une dynamique collective autour de cette démarche. Une fois de plus, il s'agit d'inscrire l'homme à l'intérieur du système et non pas comme dominateur de celui-ci. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green? Oui. Green, comment? Super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, tu vois, tu vois le green, 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 green,